Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau deck de démarrage qui vient juste de sortir, donc j'en ai pris deux comme je vous avais dit. Je viens d'aller à la poste à l'instant, en fait je l'ai reçu hier, mais je n'étais pas là, donc du coup j'ai dû partir à la poste pour aller chercher des colis. Du coup j'ai reçu quoi avec? J'ai reçu ça aussi. Bon ça n'a rien à voir pour vous et pour la vidéo, mais j'ai reçu deux paquets entiers de Ultra Pro 100 pages, c'est ce que je prends pour mes classeurs. Donc je suis des classeurs classiques à Carrefour à 2-3 euros et je les remplis de ces protèges, de ces pochettes Ultra Pro Platine qui me coûtent 20 euros. Et avec ceci, j'ai pu choper les decks de démarrage. Donc, comme je vous avais promis, un que je vais ouvrir sur la chaîne, donc celui-là, et un que je vais vous offrir à vous. Donc j'ai un petit peu réfléchi en me demandant sur quoi j'allais vous offrir sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter, et au final tout simplement sur tout en fait. Je ferai une grosse, j'allais dire une grosse loterie, je me suis cru dans une fête foraine. Donc du coup, vous marquez pour participer, vous marquez sur YouTube, je participe, sur Facebook, pareil, en dessous de la vidéo, je participe, et sur Twitter, vous retweetez la vidéo, et je prendrai toutes les personnes, je les mettrai comme d'hab dans un, tous les petits noms dans un gros bac, et je prendrai une personne au hasard qui gagnera ce deck de démarrage neuve et scellé. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et nous, on s'ouvre ça. Donc j'ai déjà un petit peu ouvert pour dire de ne pas galérer en vidéo, parce qu'à chaque fois, je galère à les ouvrir. Donc voilà, hop. On va voir ce qu'il y a de beau ensemble dedans. Donc c'est un deck que vous pouvez retrouver en général et en moyenne entre 9 euros et 11 euros. Un peu sur tous les sites, j'ai un petit peu fait le tour. C'est pas... Oh, génial, un petit tapis dedans. C'est pas un deck très très cher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah d'accord, ils ont mis un nouveau truc, un nouveau système à l'intérieur. Ils ont arrêté le plastique. D'accord, bah, si je veux pas dégager, je veux pas galérer. Et je galère déjà. Voilà, il est là, le petit tapis. On va regarder ce qu'il y a. Est-ce que... Oui, ça va aller sur mon mur. J'ai même plus de place sur mes murs. Oh putain, je vais faire comment? Je sais pas, on verra bien. Donc voilà le petit tapis de jeu. Stylé, stylé, que je vais accrocher. Alors avec le petit livret guide d'apprentissage, petit truc classique, hein, comme d'hab. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est le deck. Alors, ouverture facile, oui, c'est bon. Non, c'était presque bon, mais ce n'est pas bon. Ouvre-toi, s'il te plaît, petit samouraï. Là 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 là. Est-ce que je vais galérer? Allez! Voilà. J'ai pas été de main morte. Voilà, ça c'est pour nous. Donc ça va partir, hein, dans mes classeurs, comme d'hab. Mes decks de démarrage. Donc on va demander, on vient dans les commentaires si j'étais collectionneur ou joueur. Je suis plus collectionneur, mais je joue aussi. Je suis un petit peu des deux, mais c'est vrai que beaucoup plus collectionneur. Donc on commence, on est parti pour le premier, le magicien qui envoie quand même du lourd. Très belle carte, petite potartiste qui fait plaisir. Donc la série c'est YS13, roi ours potartiste. Sympatoche. T'as récupéré peu d'artistes, donc beaucoup de peu d'artistes, hein. Ouais. Taureau, peu d'artistes. Stylé, très belle carte. Bon, ça fait un petit peu cartoon. C'est un petit peu, bah après c'est la base. Hein, vous connaissez un petit peu le deck. C'est vrai que c'est pas des gros dragons, des grosses bêtes terrifiantes, quoi. C'est du peu d'artistes. Ouais. Débarre. Insecte effet. Trimi bascule potartiste. Dragon pendule aux yeux impairs. Magicien observateur des étoiles. Magicien observateur du temps. Gorille tambour potartiste. Second âne potartiste. Hippopotame à la mode potartiste. Canon de Foucault. Sympa le petit archidémon. Loup de guerre, Géno. Barbaros, roi des bêtes. Loup de guerre noir d'encre. Dragon baguette de sorcier. Roi géant, ouais, pourquoi pas. On passe aux cartes magiques de notre théâtre spectaculaire, pot d'artiste. Monde souriant. Carnaval, ouais, normal.
pioches musclées qui font des spasmes mythiques, vortex foudroyante, le livre de la lune, hache de fer porte-bonheur, fardeau de puissance. Cavalier de soutien, ouais, on passe aux cartes magiques, salut, final potartiste. Je crois qu'il y a un jeton dans ce deck, si je vous dis pas de bêtises. Aide d'urgence potartiste, mur d'interruption, cessez le feu. Interruption, ouais. Petit bouclier drainant, rugissement menaçant, pot de vin du temple maudit, explosion. J'aime cette carte. J'aime beaucoup. Renaissance pendule. Et oui, c'était bien ça. On a un petit jeton. Jeton hippopotame. Deuxième jeton hippopotame. Troisième jeton hippopotame. Stylé. Bête, cette carte peut être utilisée comme jeton hippopotame. C'est utilisé comme un jeton. Appuyez quel type d'attribut niveau attaque de jeton. D'accord, c'est marrant. C'est la première fois que sur le jeton, on a des petits. Une petite description. Donc voilà, on a trois jetons. Donc sympa. Franchement, bah pour surtout pour ceux qui jouent du potartiste, c'est stylé. Ouais, c'est la première fois dans un deck qu'on a quand même comme ça trois jetons. Donc sympa, petit deck de combien de cartes? Je vais regarder avec vous. Ce deck de démarrage contient tout ce dont vous avez besoin pour découvrir comment combattre en duel avec vos amis, inclus un deck prêt à jouer. 35 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares et 3 jetons. Ok, ce qui nous fait 40 cartes, plus ces 3 jetons, 43 cartes on va dire. Mais bon, en général, on a 40 cartes jouables dans ce petit deck. Donc voilà, c'était la petite nouveauté qui sortait principalement ce mois-ci. En n'oubliant pas les victoires scintillantes, bien sûr, hein, mais c'était le deck du mois, l'ancien deck qu'on a eu, c'était, si je vous dis pas de conneries, c'était... Hop, Empereur des Ombres, ouais, Empereur des Ombres, c'est bien le dernier deck qui est sorti avant celui-là. On a eu Empereur des Ombres, on a eu quoi d'autre? Maître des Pendules. Ah ouais, c'était les deux derniers decks, hein, si je dis pas de conneries. En fait, je regarde là-bas parce que j'ai mon mur, hop, je me mets là-haut, qui, où j'ai tous mes decks, il est rempli de decks. Et encore, j'ai pas que cela, j'en ai aussi ici. J'en ai partout, tout simplement, je suis un gros fanard. Enfin bref, donc j'ai même eu le petit truc de Parkage avec, hein, ce que j'ai commandé chez Parkage, j'avais commandé de ça le 12, mais je viens de le recevoir que maintenant, parce que j'avais mis aussi en précommande les deux decks de démarrage. Donc voilà, donc je vais passer ma journée à remplir mes classeurs de pochettes et à commencer à faire un gros tri, parce que j'ai des cartes absolument partout, ça va me faire du bien de pouvoir ranger tout ça. Sur ce, bah, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent gagner ce deck-là, vous mettez dans les commentaires, je participe sur YouTube, sur Facebook, comme d'hab, je participe, et sur Twitter, vous retweetez, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Attends, je vous spoil. Hop, demain, on s'ouvre ça. Les nouveaux challengers, j'étais les chercher hier, je me suis baladé un petit peu, hier, c'est vachement beau. Je me suis baladé, je les ai trouvés dans un magasin, donc j'en ai pris 3, je les ai payés quand même cher, 4,50€, mais j'avais jamais ouvert encore ça sur la chaîne. Je regarde un petit peu sur les sites qu'il y avait dedans. Il n'y a pas des trucs que je veux absolument, mais c'est une nouvelle collection qu'on se commence. Donc demain, on s'ouvre ça. Après-demain, je vous fais le concours que je vous avais dit. Les deux personnes qui ont gagné les boosters Héritage des Braves. Pareil pour les deux personnes qui ont gagné Origine Primitive. Et ces deux-là, c'était pour le gagnant du tournoi. Donc il y avait un tournoi qui avait été organisé il y a un mois. Et j'avais dit au gagnant que j'allais lui faire un petit lot. Et ça sera les boosters, les victoires scintillantes pour lui. Et dans pas longtemps, on refera sûrement un nouveau tournoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut.